Au début de la compétition, beaucoup d'entraîneurs auraient aimé être à la finale. Donc on y est. Félicitations aux joueurs d'abord, parce que c'était pas facile. On a eu des matchs très très difficiles, des matchs d'un grand niveau et surtout mentalement, on s'est mis à rude épreuve. Donc voilà, bravo aux joueurs qui ont su amener le club jusqu'à ce niveau-là. Et puis voilà, il nous reste un match évidemment. On est bien et puis on espère donner le meilleur de nous-mêmes demain pour une issue heureuse. Merci pour les félicitations par rapport au match du TP Mazembe. Là, la préparation est faite beaucoup par la récupération parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. Donc après le match du TP Mazembe, une semaine après, venir jouer ici pour le voyage, donc c'était pas facile. Donc on a regardé les vidéos de Pirates parce qu'on ne savait pas contre qui on allait jouer. Donc ça se passe de ce côté-là, les vidéos de Pirates, et puis on va essayer de mettre en place pour diminuer les forces de Pirates et augmenter nos forces à nous par rapport à cet adversaire. Je vois un très beau stade. Et à cause du stade, on a quitté notre trail, on a vu des très belles routes. Donc c'est une façon de développer le pays. Avec le prétexte, parce que s'il n'y avait pas le stade ici, il n'y aurait pas eu les belles routes. Et nous, on pense toujours qu'il faut former des docteurs en droit, des docteurs en médecine, et ceux qui jouent au football ne comptent pas. On n'utilise pas ceux qui jouent au football, on dit, oh, c'est des moins que rien, on ne s'en occupe pas. Alors quand on fait un centre de formation comme à Berkane, les enfants vont à l'école parce qu'ils aiment le football. Ils vont à l'école, ils ne seront pas tous professionnels. Mais ceux qui ne sont pas professionnels seront médecins, seront architectes. Donc on forme, on a besoin de formation. Et avec le football, c'est un prétexte, mais avec ce prétexte-là, on n'aura plus de gamins dans les rues. On va développer notre pays. Et ça, c'est vraiment un problème de gouvernement dans le chef de nos dirigeants en Afrique. Ils croient toujours que ceux qui font du sport sont des idiots et on ne s'en occupe pas. Du coup, il y a beaucoup de gens, beaucoup de criminalité, entre guillemets, de la petite criminalité, des enfants qui ne vont pas à l'école. Alors que si on les met à l'école, on leur donne du sport à l'école, on va tout développer. Je crois qu'il faut que ce n'est pas vous, ce n'est pas nous, ce sont ceux qui nous gouvernent qui doivent un peu changer leur façon de voir les choses.